Dans ma rue du petit quartier tranquille de Omori, à quelques pas de la baie de Tokyo, la première façade sur laquelle je tombe en sortant de mon immeuble est celle d'une école catholique tenue par des religieuses japonaises et européennes. Si je tourne ma tête vers la gauche, c'est l'immense toit d'un centre funéraire bouddhiste entouré d'arbres et d'un petit cimetière qui se découpe dans le ciel souvent chargé. En regardant à droite, juste après le Doremi, un petit bar à hôtesse d'un autre temps, une petite allée conduit à un sanctuaire Shinto, semblant lui aussi venir d'un autre âge. Au printemps, en été et à l'automne, chacun organise son festival et tous y participent sans sembler se soucier de quel dieu ou divinité pris les organisateurs. Depuis toutes ces années au Japon, je me suis rendu compte que la religion, enfin les religions, n'avaient pas une grande influence sur la vie publique et qu'un certain œcuménisme semblait diriger cette bienveillante harmonie. Bien sûr, les festivals et jours fériés sont intimement liés à cette histoire religieuse, mais le commun des mortels semble accomplir ses rites comme une habitude et une tradition amusante et festive, plus que comme une dévotion. Pour l'athée militant que je suis, ce compromis doux et peu envahissant a toujours été un gage de réussite dans la quête qu'est la mienne d'éloigner les croyances de la sphère publique. Mais il n'en a pas toujours été ainsi et l'histoire du catholicisme au Japon est l'une des plus sanglantes qui soit. Persécutions, massacres et tortures ont émaillé cette difficile cohabitation entre un shogunat qui se bâtissait autour du bouddhisme, puis plus tard du retour du shinto, comme religion d'état garante d'une nation forte et de valeurs combatives et élitistes, et une croyance importée qui prêchait la paix et l'amour de son prochain. Alors de l'arrivée du premier missionnaire espagnol François Xavier dans le port de Kagoshima en 1549 jusqu'au dernier massacre de masse de chrétiens en 1867, laissez-moi vous raconter l'histoire des persécutions religieuses au Japon et des milliers de morts qu'elles engendrèrent. Même si certains historiens japonais penchent pour des missions chrétiennes au Japon dès le XIIIe siècle, la réalité historique du moment, elle, fait remonter le début de cette aventure chaotique au 15 août 1549, selon les écrits et leurs transcriptions. C'est l'Espagnol François Xavier, cofondateur de la Compagnie de Jésus, qui, au cours d'une mission d'évangélisation de l'Extrême-Orient mandatée par le pape Paul III, débarquera avec ses missionnaires à Kagoshima, au sud de l'île de Kyushu. Reçu comme un émissaire par le shogun et les autorités religieuses et militaires qui dirigeaient le pays, il finira par obtenir une audience auprès de l'empereur et se rendra à Kyoto pour exposer sa mission et obtiendra le droit de rester quelques temps sur le territoire. Devant la réticence des responsables bouddhistes à voir s'installer un nouveau culte dans le pays, le pouvoir restreindra l'espace alloué aux prêtres et leur offrira un ancien temple à l'abandon dans le domaine de Yamagoti. Transformé en église de fortune, il s'y construira aussi un petit dispensaire, une école et un centre que l'on pourrait aujourd'hui qualifier de social, dans lequel les affamés pouvaient venir manger et les vagabonds trouver un toit. En quelques semaines, les missionnaires avaient déjà converti plus de 500 autochtones, à qui François Xavier et ses prêtres enseignèrent la Bible et le latin pour les former à une future mission d'évangélisation du pays. Une petite mission, 1550, constituée de religieuses espagnoles et de convertis japonais, partit pour la petite île de Hirado et y installa une petite colonie convertissant sans peine les pêcheurs et les paysans affamés et maltraités par leurs seigneurs qui ne voyaient jamais sauf au moment de la perception des taxes. Ils y construisirent une église considérée comme la première jamais érigée au Japon. Lorsque François Xavier repartira rendre compte de sa mission au pape, c'est le père Com de Torres qui reprendra la tête de la nouvellement constituée Église catholique du Japon, qui comptait déjà 15 000 fidèles dans la région. Il sera un évangélisateur zélé qui convertira, d'après ses écrits, plus de 500 personnes par semaine, étendant son influence de plus en plus et consolidant les échanges religieux avec les autorités bouddhistes, alors en charge des affaires religieuses du pays cantonné au sud de l'île de Kyushu et aux îles environnantes, c'est justement sur ces dernières que Torres et ses jeunes prêtres japonais mettront les bouchées doubles. Une mission médicale fut envoyée sur la belle île de Goto en 1562, après que la rumeur de la maladie du daimyo yuku Junsada ne se soit répandue dans tout le pays. C'est Hakoda Diego, un jeune médecin japonais converti au christianisme, qui se chargea du maître de l'île et réussit à le guérir, ouvrant ainsi le cœur du daimyo à la foi romaine sans pour autant réussir à le convertir. Mais il en tirera une forte implantation sur l'île où plus de 3000 japonais deviendront catholiques en moins de trois mois. C'est Com de Torres qui réussira le premier à baptiser un daimyo en juin 1563. Alors en pleine transaction avec les autorités de Kagoshima et Nagasaki pour obtenir un accès portuaire pour les missionnaires portugais et français qui préparaient de grandes expéditions vers le Japon, le Daimyo Sumitada Omura, seigneur de guerre et maître incontesté de la région, eut une épiphanie et pressa Torres de le baptiser et lui enseigner la Bible et le dogme. Il recevra les sacrements et prendra le nom de Barthélemy, puis se positionnant comme le premier seigneur catholique du pays, celui de Dom Barthélemy. Il ouvrira ses terres aux missionnaires et en 1570, des navires portugais et de nombreux religieux s'ancreront dans la région, faisant de l'endroit la première terre chrétienne de l'histoire du Japon. Dans tous les territoires acquis à Rome, les échanges commerciaux et religieux s'intensifièrent et après les églises, ce furent des comptoirs qui ouvrirent puis des écoles. Pour l'anecdote, les tempura fritures traditionnelles japonaises très prisées à Kyushu furent introduites par les Portugais à cette période, de même que le castella gâteau typique de Nagasaki et Kagoshima, qui n'est autre qu'une spécialité portugaise importée par les missionnaires au XVIe siècle. Commercialement, tout cela était bel et bon, et le shogun, voyant que l'argent rentrait et que les conflits entre seigneurs locaux semblaient être apaisés, ne voyait rien à redire à cette nouvelle foi étrangère qui semblait se fondre dans la culture locale. Mais les autorités religieuses bouddhistes voyaient cela d'un tout autre œil. Après des siècles de bataille pour s'imposer comme religion d'État face au Shinto, les moines de la cour commençaient un travail de sable du christianisme auprès de l'entourage du Shogun, craignant de perdre leur autorité et surtout la manne inépuisable de taxes que les monastères percevaient. En 1578, le clan Ryozoji entra en conflit avec le Smithada, dont Bartélemy, et attaqua le port de Nagasaki avec navires et troupes à bord. En quelques heures, la flotte portugaise, mieux armée et plus importante, enverra celle de Ryozoji par le fond, et dont le Daimyo allié a conservé son territoire et son autorité. En récompense, il fera consacrer la terre de Nagasaki à Kagoshima et offrira, avec l'accord du shogun, le port de Nagasaki à la Compagnie de Jésus, en faisant de fait la première propriété de Rome au Japon. À cette époque de l'histoire du Japon, déchirée par les guerres de clans et les complots de cour, le pays aurait pu devenir chrétien, tout du moins le catholicisme aurait pu devenir un acteur important de la vie du pays. Mais c'était sans compter sur le futur shogun et réunificateur du pays, Hideyoshi Toyotomi. En 1582, lorsque ce dernier soumet le clan Mori et s'empare de ses terres, ouvrant la voie à sa reconquête du pays et son unification, il y fait adopter le premier décret antichrétien de l'histoire du pays. Il en fera de même pour chaque territoire conquis et soumis à son autorité. Entouré de moines hostiles à la présence étrangère et chrétienne, il avait eu vent de la doctrine pacifiste et fraternisante des prêcheurs romains et y voyait un danger pour l'unité militaire à venir du Japon. Mais surtout, la cession d'un morceau du territoire ancestral à des colons le révoltait et il ne cachera jamais son désir de reprendre Nakasaki aux prêtres et de les faire tous exécuter. Face à cette menace, Harunobu Arima et les trois autres daimyo catholiques de Kyushu envoyèrent quatre jeunes prêtres japonais en délégation à Rome pour rencontrer le pape Grégoire XIII et lui demander de l'aide. Le souverain pontife promettra l'envoi de troupes, mais décédera quelques semaines plus tard, enterrant avec lui sa promesse. En 1587, lorsque Hideyoshi accéda au pouvoir, ce fut le début des heures sombres pour les chrétiens du Japon. Sa première mesure après la campagne victorieuse de Kyushu fut de reprendre le port de Nagasaki à la compagnie de Jésus et de faire interdire le culte sur tout le territoire. Il fit renvoyer tous les missionnaires étrangers dans leur pays, expropria les croyants japonais qui ne voulaient pas abjurer leur foi et en fit enfermer une bonne partie. Soucieux de ne pas créer de schisme parmi les daimyo, dont certains avaient été catholiques, il ne prononça pas de peine capitale, mais dans la réalité, certains textes attestent d'exécutions sommaires dès 1587. Dès lors, tout adorateur de la Bible fut considéré comme un ennemi de la nation et ce fut le début d'un grand nettoyage religieux. En théorie, le christianisme était censé avoir disparu du pays suite aux lois très sévères du nouveau shogun, mais en pratique, le culte clandestin était bel et bien présent. Malgré la destruction des églises par les soldats, l'interdiction des signes religieux et les autodafés de Bible, les chrétiens se réunissaient en cachette et pratiquaient leur culte dans des grottes et des forêts. Excédé, le gouvernement intensifia la chasse aux catholiques et promulgua finalement un décret condamnant à la torture et à la mort tout contrevenant. Sporadiquement, des groupes furent arrêtés, torturés, puis exécutés par des samouraïs locaux sans même en référer à leur daimyo. Attachés à des rochers, laissés au soleil ou sous la neige, et parfois précipités dans la fournaise d'un volcan, comme ce fut le cas en 1592 à Hunzen où une famille de paysans chrétiens, père, mère et leurs trois enfants, furent marqués au fer puis précipités vivants dans la lave. En 1592, justement, le shogun vieillissant installa son fils adoptif Hidetsugo Toyotomi au pouvoir et partit à la tête d'une grande armée à la conquête de la Corée. Peu enclin à la traque religieuse, le shogun intérimaire se concentra sur les intrigues politiques et les complots et donna un peu d'air aux communautés qui en profitèrent pour appeler à l'aide. En 1595, une vingtaine de prêtres portugais et français débarquèrent clandestinement à Kagoshima pour tenter d'exfiltrer les fidèles vers des terres moins hostiles, dont certaines îles du Sud. Mais le retour de Hideyoshi au pouvoir sonna le glas de tout espoir. Excédé par la mollesse et les compromis de son fils adoptif, il rentra au pays et força ce dernier à se suicider avant de reprendre les rênes. Pour rester sur le sujet qui nous intéresse ici, penchons-nous sur ces petites sautes d'humeur à l'égard des chrétiens. Le 5 février 1597, le Shogun et son état-major prirent les choses en main et firent procéder à un vaste coup de filet dans les campagnes environnant Nagasaki, arrêtant 26 acteurs majeurs de la chrétienté clandestine, six prêtres étrangers espagnols, mexicains et portugais, ainsi que 20 religieux japonais, jésuites et franciscains, furent appréhendés et enfermés. Les bourreaux du Shogun, en suivant les descriptions du Nouveau Testament, fabriquèrent des fouets avec des clous comme se décrit dans la Bible et flagellèrent les 26 chrétiens nus qu'ils obligèrent à chanter pendant leur supplice. Ceux qui prêchaient en langues étrangères eurent la langue brûlée au tisonnier, tous furent marqués au fer rouge sur le front avec le kamon, le sceau, so, du Shogun puis les 26 suppliciés durent marcher à travers la ville et les campagnes environnantes pendant que les soldats criaient à qui voulait l'entendre que c'est ce qui arrivait aux gens qui embrassaient la foi chrétienne malgré l'interdiction. En fin d'après-midi, 26 croix de 5 mètres de haut avaient été érigées et une foule de badauds avait été avertie du spectacle à venir. Les hommes du shogun clouèrent les 26 catholiques contrevenants sur les croix et les dressèrent à nouveau. Le discours du maître du pays fut implacable. Quiconque suivrait la voie de la Bible périrait, comme dans la Bible. Après trois heures d'agonie, des samouraïs de la garde shogunale transpercèrent chaque crucifié de deux lances au niveau du torse, en formant un X. Hideyoshi ordonna que les corps soient laissés là, à la vue de tous, et interdit à quiconque de les décrocher et de les inhumer, sous peine de subir le même sort. Pendant ce temps, sur les îles de Goto et Hirado, où les choses se passaient le mieux du monde depuis presque 50 ans, le temps tournait aussi au vinaigre. Les seigneurs locaux, convertis pour la plupart, eux aussi, avaient été arrêtés par la troupe et emprisonnés avant de subir les tortures imposées aux apostats par les autorités bouddhistes, c'est-à-dire l'ablation des oreilles, du nez et de la langue, puis exécutés soit par crucifixion, soit par pendaison, leur interdisant la décapitation au sabre, l'arme à la main, comme l'exige le code d'honneur des guerriers. Le même sort fut réservé à tous les chrétiens de l'ombre capturés par les autorités pendant les mois qui suivirent, et jusqu'en 1612, et la promulgation des nouvelles lois par le shogunat Edo, on estime qu'environ 3000 catholiques furent torturés et exécutés. L'arrivée au pouvoir de Tokugawa Ieyasu en 1600 marqua l'avènement de l'ère Edo qui devait durcir encore plus les lois antichrétiennes et la répression. Les croyants, que l'on estime à environ 30 000 à cette période, durent pratiquer leur foi dans le plus grand secret et ne plus faire confiance à personne car les récompenses offertes à ceux qui les dénonçaient étaient de plus en plus importantes et en tentaient plus d'un. Certains daimyo, convertis en secret, firent confectionner des objets de culte chrétien cachés dans des artefacts bouddhistes, et l'on retrouva même des croix sur les tuiles du château de Himeji et de Nagasaki, prouvant par là que les seigneurs locaux n'avaient en rien abjuré le catholicisme. En 1612, Tokugawa, beaucoup plus anti-chrétien que ses prédécesseurs, fit proclamer de nouvelles lois de répression et fit raser tous les édifices en relation avec cette religion, interdire l'évocation même de la Bible et du Christ et augmenta les effectifs de ces unités de traqueurs de chrétiens, qui torturaient à qui mieux mieux en cas de simple suspicion. Ainsi, en 1613, l'une de ces unités captura un groupe de 21 chrétiens dans un petit village près de Kagoshima, hommes, femmes et enfants, et les exposèrent sur la place publique toute une journée, nus et avec des couronnes d'épines sur la tête avant de les placer sur des pierres de torture, comme on en trouvait un peu partout dans le pays à cette époque. C'étaient de grandes pierres émanant d'un relief naturel et présentant des excroissances pointues ou tranchantes sur lesquelles avaient été fixés des anneaux de métal. Les suppliciés y étaient enchaînés, couchés sur le ventre et frappés avec des bâtons épineux jusqu'à ce que mort s'ensuive. D'autres pierres de torture étaient utilisées pour noyer les condamnés petit à petit. Installées ou utilisées le long des côtes, ces rochers saillants prenaient la marée et les prisonniers enchaînés devaient survivre le plus longtemps possible. Alors leur agonie pouvait durer plusieurs jours. Enfin, des pierres taillées en plaques furent de plus en plus utilisées pour torturer les prisonniers obligés de s'accroupir et sur les genoux et les jambes desquels on plaçait de plus en plus de plaques de pierre jusqu'à ce que les membres ne se brisent. C'est comme cela que 47 autres chrétiens furent exécutés en 1614. Cette même année, c'est tout un village qui fut soupçonné de pratiquer le culte interdit et même d'abriter des missionnaires étrangers, ce qui, depuis les lois isolationnistes de Tokugawa, représentait un crime en soi. Une unité de police militaire spécialisée dans la traque des catholiques et des étrangers cachés les passa à la question pendant trois jours, torturant les enfants devant leurs parents pour leur arracher les aveux. Une mère craqua et montra le crucifix qu'elle cachait dans sa maison pour le culte, entraînant les confessions de presque tout le village et la découverte de quatre religieux portugais cachés dans un sous-sol. L'ensemble de cette petite bourgade de 137 personnes fut précipité dans la fournaise du volcan de Hunzen, à l'exception des missionnaires qui furent crucifiés et exposés en place publique en guise d'avertissement. Durant ces années 1613, 14 et 15, ce furent 205 personnes qui furent torturées et mises à mort pour leur foi et plus de 10 000 qui furent emprisonnés à vie pour suspicion de christianisme. Cet exemple violent et très utilisé par le shogun Tokugawa pour sa propagande permit une petite période de calme et aucun massacre connu n'eut lieu pendant une vingtaine d'années. On le sait maintenant, les communautés chrétiennes clandestines redoublèrent de prudence et ne se réunissaient que très peu, préférant pratiquer leur culte seul ou en famille, délaissant les objets religieux classiques pour des croix assemblées à la hâte avec des morceaux de bois et des faits dès l'office terminé. Ceux qui avaient un peu plus de moyens se faisaient faire des objets à double fond, ainsi l'on retrouve encore aujourd'hui des petites figurines bouddhistes qui, si on les manipule, font pivoter le visage pour afficher celui du Christ, ou encore ces peintures de déesses au long voile blanc que certains nobles chrétiens commandaient et qui, une fois installées dans leurs demeures et consacrées par des prêtres, plus cachés que jamais, devenaient des lieux de dévotion à la Vierge Marie. C'est la promulgation des édits Sakoku en 1633 interdisant tout contact avec l'étranger et bannissant tout élément extérieur à la stricte culture japonaise qui fit reprendre les massacres de masse et la haine populaire antichrétienne. Tout d'abord, il faut comprendre que la propagande shogunale était très violente à l'encontre des adorateurs du Christ qui étaient présentés comme des fanatiques anti-japonais, des lâches et des terroristes qui ne cherchaient qu'à faire rentrer des Européens dans le pays pour le renverser et en prendre le contrôle. À une période où le nationalisme se répandait dans tout le pays suite à la réunification, ces rumeurs suffirent à dresser toute une population contre un petit groupe qui ne souhaitait finalement que pratiquer sa religion tranquillement. De leur côté, les autorités bouddhistes, représentantes d'une religion, elle aussi, importée de l'étranger quelques siècles auparavant, qui, je le rappelle, avait réussi à s'imposer face aux prêtres shinto, religion ancestrale japonaise, à force d'intrigues et de complots, ces moines donc opéraient leur propagande dans leur coin et insufflaient la haine antichrétienne dans les campagnes. Chastes et végétariens, ils accusaient entre autres les catholiques d'être des fornicateurs et pire encore des sodomites qui admiraient une idole mâle et nue. Ils interprétaient le rite de la communion comme une preuve de cannibalisme et encourageaient les populations à dénoncer les chrétiens si elles ne voulaient pas finir dévorées par ces derniers. C'est l'ensemble de ces facteurs combinés qui donna lieu à de nouveaux massacres dès 1633. L'alerte avait été donnée avec l'incident des Augustins du 11 décembre 1632. Pour l'histoire, revenons un peu sur ce qui s'était passé et en quoi cela accéléra ces mesures radicales. Deux missionnaires espagnols de l'ordre des Augustins revenaient de Manille par bateau après avoir évangélisé les foules. Le capitaine chinois du navire avertit que les curés étaient interdits de séjour au Japon et que leur capture pouvait vous rapporter gros les dénonça aux autorités de Nagasaki dès qu'il les eut débarqués furent arrêtés et tourmentés en place publique sur une pierre de torture avant d'être crucifiés dans le port face à la mer comme un avertissement. Il en résulta une nouvelle chasse aux prêtres avec de grosses récompenses à qui les dénoncerait et permettrait leur arrestation. Une communauté de dominicains espagnols, portugais, philippins et natifs fut découverte cachée dans les montagnes et qui dispensait son enseignement religieux en japonais. Moines, prêtres et fidèles furent arrêtés et enfermés dans une prison spéciale. Interrogés de façon musclée pendant des semaines, beaucoup périrent durant ces interrogatoires, mais aucun ne livra ses coreligionnaires. Les 16 religieux arrêtés furent torturés en place publique sur les pierres prévues à cet effet, une fois de plus, puis ébouillantés dans de grandes marmites qui servaient parfois aux exécutions, pour 13 d'entre eux, et crucifiés la tête en bas pour les trois autres. Une fois de plus, les corps suppliciés furent exposés en place publique pour dissuader quiconque d'embrasser cette foi interdite. En 1639, la communauté chrétienne du Japon avait considérablement réduit et les autorités religieuses européennes, Rome en tête, n'envoyaient plus de missionnaires connaissant le sort qui leur était réservé. Des émissaires furent envoyés au Japon, mais le shogun refusa de les recevoir. Cette même année fut celle du dernier massacre de masse connu de l'ère Edo. Sur les indications de paysans intéressés par la prime, en cette période de grande disette, le daimyo de Kumamoto, toujours à Kyushu, reçut des informations sur une vaste communauté cachée qui exercerait son culte dans les montagnes et les nombreuses grottes de la région. Le cultivateur avait eu un déclic en voyant un occidental barbu déguisé en pèlerin bouddhiste alors qu'il se reposait près d'une rivière. Terrifié par cette secte anthropophage et lubrique, il en informa immédiatement son seigneur qui dépêcha l'une de ses brigades spéciales. La traque ne fut pas très longue car les agriculteurs délateurs veillaient au grain et avaient quadrillé le secteur pour être sûr que les chrétiens ne partent pas. Lorsque les hommes de Tokugawa arrivèrent en force dans le secteur, ils mirent la main sur toute une communauté clandestine qui s'était organisée et pas un ne put échapper au geôle du maître du pays. 102 personnes, hommes, femmes et enfants, furent arrêtées, dont 11 religieux étrangers, espagnols, français et philippins, et mis à la question. Sous les tortures des bourreaux du shogun, certains se mirent à table et 86 personnes supplémentaires furent arrêtées à travers toute la région. Après des semaines de privation et de violences quotidiennes, les femmes furent envoyées dans une prison à part où elles subirent des viols à répétition avant d'être précipitées du haut d'une falaise. En décembre 1639, ce furent ainsi 64 petites filles, femmes et vieillardes qui furent emmenées nues à travers la campagne et les chemins avant d'être battues et jetées du haut d'un pic rocheux de 30 mètres. Les hommes, quant à eux, subirent le même sort que leurs malheureux prédécesseurs. Les simples croyants furent torturés à mort sur les tristement célèbres pierres du même nom et ceux, identifiés comme prêtres ou moines, subirent le fouet et le chemin de croix avant de mourir crucifiés et traversés par des lances. Leurs corps orneront les côtes jusqu'à ce que les bêtes sauvages aient fini de disperser leurs restes et aucune sépulture ne leur sera accordée sous peine de mort pour qui oserait contrevenir à ces ordres. Ceux qui furent appelés les 188 martyrs de Komamoto furent les derniers de l'ère Edo dont l'histoire retiendra le massacre. Pendant les 200 années qui suivront, le shogunat triomphant se fermera hermétiquement au monde et se concentrera sur les innombrables guerres de clans qui décimèrent la population et, par voie de conséquence, laissa un peu d'air aux catholiques japonais. Même s'ils n'étaient plus très nombreux, on estime qu'environ 6000 croyants purent continuer à pratiquer leur foi dans le plus grand secret durant cette période. Bien sûr, on rapporte des arrestations et des persécutions ciblées durant les 17e et 18e siècles, mais plus d'exécutions de masse comme les appréciait Tokugawa, premier du nom. Il faut dire que nombre de chrétiens avaient fui les grandes villes et leurs abords et avaient trouvé refuge sur de petites îles peu ou pas contrôlées par les daimyos de Goto, Fukue ou Hirata loin des conflits et des oreilles indiscrètes les communautés se réorganisèrent toujours dans la clandestinité et une nouvelle église japonaise vit le jour dans les jungles des îles du sud c'est la fin du shogunat et la restauration meiji qui mit un terme à ces persécutions mais tout ne se passa pas aussi bien que les manuels scolaires veulent bien le laisser croire et le débarquement de la flotte du commodore américain Matthew Perry, qui ouvrit effectivement le pays au monde, ne mit pas un frein définitif à la chasse aux catholiques. Alors, oui, le jeune empereur Meiji abolit les décrets antichrétiens, mais dans un premier temps, en tant que fervent Shinto, n'accorda pas la liberté de culte absolue, soucieux qu'il était aussi de réduire l'influence du bouddhisme qu'il venait juste d'interdire comme religion d'État. Il fit promulguer le texte dit des gobono qui posait les bases de la constitution médié et dont l'article 3 précisait que le catholicisme restait interdit en tant que religion officielle, mais que les croyants pouvaient pratiquer leur foi dans la sphère strictement privée, ne faire aucun prosélytisme et se regrouper en communauté isolée du reste de la société. Les catholiques eurent pour obligation de se déclarer aux autorités locales et de s'identifier clairement. Dès lors, on vit des groupes entiers de personnes sortir de la clandestinité et affirmer leur foi chrétienne, comme ceux de Nagasaki, qui vinrent en masse inaugurer la première église reconstruite après les destructions de l'ère Edo et offerte par les congrégations françaises à nouveau autorisées au Japon. Le 7 avril 1868, le gouverneur de Nagasaki, Sawa Nobuyoshi et les conseillers d'État Inoue Kaoru et Masataka Masayoshi se réunirent pour décider du sort de la communauté chrétienne de Urakami, le village en périphérie de Nagasaki dans lequel ils s'étaient concentrés. Devant l'hostilité de la population envers cette communauté, les risques de troubles et, il faut bien le dire, une grande animosité des trois politiciens envers eux, il fut décidé de les isoler des habitants et un camp en bordure de la ville fut construit pour les loger en attendant qu'une décision soit prise. Cette nouvelle ne tarda pas à remonter aux oreilles des diplomates étrangers, désormais admis et installés sur le territoire, et très vite, Harry Parks, l'ambassadeur du Royaume-Uni, émit de vives protestations contre ce qu'il jugeait comme une arrestation arbitraire. Une réunion de crise avec le ministre Kiyokado Komatsu déboucha sur un accord raisonné qui statuait sur l'exil des chrétiens vers des villages isolés qui leur seraient dédiés. Kido Takayoshi, dont je vous ai longuement parlé déjà, se rendit en personne à Nagasaki pour estimer la situation et fit répartir les 114 membres de la communauté religieuse sur trois villages vidés de leurs habitants au préalable Tsuano, Hagi et Fukuyama. Jusqu'en 1870, chaque croyant de la région fut arrêté et déporté dans l'un de ces villages. Selon le décret impérial et les promesses des autorités locales, ces endroits promettaient la paix et la liberté aux chrétiens qui y partaient loin des colibés et des violences qu'ils subissaient au quotidien de la part de leurs contemporains. Mais la réalité était tout autre. Les trois villages pour lesquels partaient les convertis étaient en fait de vrais camps de concentration dans l'acception moderne de l'expression. Grillagés et gardés par des hommes en armes, les chrétiens retenus dans ces camps étaient affamés, torturés, les femmes régulièrement violées et battues à mort, et les tourments du passé se firent plus intenses encore, au fur et à mesure que de nouveaux catholiques arrivaient et qu'il fallait faire de la place. Les gardes, tous d'anciens samouraïs, avaient gardé ce sentiment anti-chrétien chevillé au corps et les supplices de l'ancien temps, loin des yeux du monde, furent remis au goût du jour. Les pierres de torture refirent leur apparition et les exécutions sommaires au sabre aussi. Au camp de Hagi, l'officier en charge organisait des combats entre les détenus chrétiens, hommes contre femmes et même contre des enfants. Lorsqu'ils ne mouraient pas sous les coups, les perdants étaient attachés, nus sur des poteaux en hauteur et exposés aux intempéries, sans soins ni nourriture, jusqu'à ce que morts s'ensuive. Ceux identifiés comme prêtres connurent les tortures infligées au Christ pendant la Passion et finirent eux aussi sur la croix. Contrairement à l'ère Edo et aux expositions publiques, les tortionnaires ne laissaient pas les cadavres pourrir aux yeux de tous mais organisaient de grands bûchers de crémation pour tourmenter un peu plus les croyants pour qui ce type de funérailles est interdit par les Écritures. Mais à une ère où l'information circulait de mieux en mieux, l'existence de ces véritables contes de la mort et de ce qui s'y passait arriva aux oreilles des officiels dont Iwakura Tomomi qui dépêchèrent une expédition sur place et purent constater les exactions qui s'y déroulaient. Il fut décidé de transférer les survivants vers le domaine d'Ofkoka où ils pourraient jouir d'une certaine liberté et être visités par qui le voudrait. Mais le mal était fait et la découverte des exactions de Tsuano, Hagi et Fukuyama, environ 180 morts sous la torture, avait fait le tour des ambassades malgré la tentative du gouvernement japonais d'étouffer l'affaire. Lors de sa tournée mondiale, dont je vous ai longuement parlé, Iwakola se vit reprocher par tous les présidents et monarques des vieux et nouveaux continents le sort cruel réservé à leurs frères chrétiens et l'impossibilité de rapports apaisés tant qu'il en serait ainsi. C'est le président des États-Unis, Ulysses Grant, qui fut le plus critique et le plus menaçant. Si les chrétiens continuaient d'être persécutés, les USA retireraient leurs diplomates et cesseraient les échanges culturels, scientifiques et commerciaux avec le Japon, parlant même d'un embargo. La reine Victoria ne fut pas plus tendre et quelques rois européens, dont Christian IX du Danemark, menacèrent même l'empereur d'une guerre sainte. Promesse fut faite de remédier à cela et de retour au Japon, Iwakura pressa le jeune empereur de faire quelque chose au plus vite s'il souhaitait inscrire le Japon moderne dans le grand concert des nations. Le 24 février 1873, le gouvernement Meiji fit lever l'interdiction du catholicisme et interdire les violences à l'encontre de la communauté. Une commission d'enquête fut créée et durant quatre années parcourut le pays pour constater l'étendue des dégâts et faire un état des lieux de ce qui s'était vraiment passé dans les campagnes. Avant de vous faire la liste des atrocités commises et des dizaines de monrois réservés aux chrétiens découverts et listés par la Commission, je voudrais soulever un point qui explique que les tortionnaires ne furent pas punis, certains furent même promus et pourquoi, s'ils n'y avaient pas été contraints par la diplomatie étrangère, l'empereur n'aurait jamais légalisé le christianisme et aurait même sans doute banni le bouddhisme. Pour cela, il faut se plonger dans le livre de Harinori Mori, Théorie de la liberté de religion au Japon, dans lequel lui, l'universaliste converti au christianisme, prométissage et instigateur du système scolaire à l'anglaise au Japon, écrit Il faut comprendre pourquoi il est compliqué d'abolir l'interdiction du christianisme dans notre pays. Pour son unité, notre empire a besoin d'une religion d'État qui fédère chaque habitant et le fait se sentir un avec sa terre. Le Shinto est cette fois issu des origines lointaines de notre nation et essence de notre empire. Pour qu'il devienne ce Simon dont nous avons besoin, il fallait que l'empereur bannisse les religions étrangères comme le catholicisme et le bouddhisme. Pour ménager le peuple, pour qui le christianisme était la secte du mal, comme enseigné pendant des siècles par le Shogunin, il ne fallait pas de loi trop permissive dès la Restauration où l'autorité même du souverain aurait été remise en cause par les traditionalistes rangs, qu'il nous fallait ménager de plus désireux de ne pas se mettre les anciens samouraïs bouddhistes à dos utile aussi à la restauration la stratégie fine et intéressante de sa majesté qui a finalement porté ses fruits puisqu'il y a aujourd'hui la concorde fut de faire du chrétien l'ennemi commun Car oui, on le sait aujourd'hui, l'empereur et son administration étaient au courant des massacres de chrétiens depuis le début, mais n'est volontairement pas intervenu pour maintenir cette relative paix civile qu'il avait obtenue. La haine du catholique était un point commun entre tous les japonais de cette fin de 19e siècle, qu'ils soient shinto ou bouddhistes, pour le shogunat ou pour l'Empire. Alors pourquoi briser une si belle unité pour quelques milliers de morts la commission fit le tour du pays jusque dans ses îles les plus reculées et consigna les événements les plus terribles, comme les comportements ordinaires les plus odieux. Ainsi, une histoire que l'on retrouve dans l'un de ses rapports parvenus jusqu'à nous, celle de Iwanagatsuru, une jeune femme de 22 ans exilée à Hagi. Très belle, elle aurait été remarquée par l'officier en charge du camp, à la moto Gang City qui la désirait comme compagne, mais Iwaga était mariée et vit son époux décapité en place publique pour régler le problème. Elle se refusa vigoureusement au samouraï en le frappant et essaya de s'enfuir avant d'être rattrapée par la troupe. Après avoir été violée par ce dernier, elle fut enfermée dans une étroite cage de bambou suspendue et violée chaque jour par toute la garnison. Alors qu'en plein mois de janvier, elle venait de frapper un garde au ventre durant son supplice, il fut décidé de la déshabiller et de la forcer à se tenir debout, nue sur une pierre de torture dans le froid et la neige. Ses anciens codétenus racontent qu'elle tint comme cela deux semaines entières, parfois entièrement recouverte de neige et battue la nuit lorsqu'elle rentrait dans sa cage. Lorsque le camp fut libéré en 1873, elle était très affaiblie et d'une maigreur à faire peur, mais vivante. Elle dira que c'est la foi qui l'a sauvée et rentrera à Urakami où elle sera à l'origine de la renaissance de la communauté. Elle fit ramener deux pierres de torture de ce camp maudit, l'une pour exposer devant la cathédrale de Nagasaki en souvenir des tourments passés, et l'autre qu'elle fit retailler en croix pour en orner le parvis. Elle se consacra à la croix d'Urakami, la mission religieuse qu'elle avait contribué à créer jusqu'à sa mort en 1925. Une autre pierre de torture a été ajoutée à cette exposition du souvenir en 1990 de façon assez étrange. La famille Teramoto, descendante du chef du camp de Hagi, avait gardé l'une de ces pierres en mémoire du temps béni des colonies de torture de chrétiens dont leur glorieux ancêtre fut le chef. Prise de remords, l'une des descendantes du tortionnaire en fit don à la fondation Iwanaga. Un musée du souvenir dédié à la jeune femme martyr fut inauguré le 23 novembre 2008 par le cardinal José Saraiva Martins, émissaire du pape, qui béatifia Iwanagatsuru et Petro Kasui, le jeune prêtre japonais converti. Le lendemain, le 24 novembre, et sur décret du pape Benoît XVI, ce furent les 188 martyrs de Nagasaki et Kumamoto qui furent honorés et béatifiés. Durant les années de traque, la situation sur les îles de Goto ne fut pas beaucoup plus gaie, l'on rapporte des centaines de cas de torture, d'exécution, de viol et d'esclavage. Mais un statut particulier et particulièrement cruel retint l'attention de ceux qui tinrent ce rapport. Après les grandes traques de Tokugawa, les communautés chrétiennes de Goto furent tolérées sur les îles, car l'un des seigneurs des lieux était un converti, certes, mais cette apparente tranquillité avait dû s'arranger avec la réalité de la grande hostilité du reste de l'aristocratie locale envers les catholiques, et des lois d'exception furent décrétées. Les croyants, soit environ 3000 personnes, furent déplacés de leurs fermes et commerces vers les montagnes où ils durent s'installer et vivre. Sans terre cultivable, ils redevinrent chasseurs-cueilleurs et une misère extrême frappa ces petites communautés. De plus, un contrôle strict des naissances fut imposé aux chrétiens par le daimyo, limitant le nombre d'enfants par femme à deux. Toute naissance au-delà de cette limite se traduisait par l'exécution du nouveau-né. Ce sont ces petits groupes de chrétiens de l'ombre, comme on les a appelés, qui subirent le plus grand nombre de pertes humaines durant ces années. Chassés comme du gibier par les samouraïs et daimyo lorsqu'ils allaient pêcher ou se déplacer simplement, certains en firent même des trophées. Ils remontaient de plus en plus haut dans les montagnes et s'enfonçaient de plus en plus dans les forêts. Un jeune garçon, Gaspar Yosake, réussit à quitter cette misère pour se rendre à Nagasaki peu avant la restauration Meiji. Il y devint prêtre dans la clandestinité, mais lorsque la liberté de culte et la fin de la traque avertit le gouvernement local de la situation sur les îles de Goto et y revint en 1867 avec le père Bernard Petitjean pour libérer les chrétiens de cette terreur et leur dire que le cauchemar était terminé. Les survivants, soit environ 1000 personnes, furent relocalisés dans des villages en novembre 1868. Enfin, des villages. Le jeune prêtre ne se doutait pas que l'un des endroits où les chrétiens, 200 au total, devaient être installés, était loin d'être un village ordinaire et deviendrait l'un des symboles de la cruauté envers sa communauté, même après les heures sombres du shogunat. Enfermés dès leur arrivée dans des cages de bambou suspendues d'un mètre de large qui ne leur laissaient le loisir ni de s'asseoir ni de se coucher, les hommes et les femmes furent séparés, mari et femme, fils et filles. La nourriture se composait uniquement d'une patate douce le matin et une le soir. Les témoignages racontent que de jeunes mères avaient le visage lacéré par leur bébé tant ils réclamaient à manger et pleuraient jour et nuit. En général, ces cris se terminaient pour le bébé au bout du sabre d'un garde. Le chef de cette prison à ciel ouvert avait un jeu des plus cruels qui tua une dizaine d'hommes pour son simple plaisir. Il avait fait venir un gros tronc d'arbre qu'il avait fait placer en haut d'un terrain en pente au sein du camp, il choisissait un ou une prisonnière, plus souvent des hommes, car il réservait les femmes pour d'autres tortures, et lui disait de courir avant de faire couper la corde qui retenait le tronc. Celui-là dévalait la pente à grande vitesse, rattrapait le prisonnier qui, en général, tenait à peine debout et lui roulait dessus. S'il ne mourait pas sur le coup, les hommes agonisaient pendant des jours avant de trépasser. Sur les 200 prisonniers de Obiraki, 42 moururent sur place et 31 des suites de maladies ou de privation à la libération du camp. On raconte l'histoire de Maria Taki, une petite fille de 10 ans qui avait attrapé le scorbut et qui brûlait par la fièvre et sans ongles ni cheveux tombés à cause de la maladie, continuait à prier pour ses bourreaux à genoux dans la boue ou recroquevillée dans sa cage. Elle fut décapitée par un garde et eut pour dernière parole « Je monte au paradis, merci mon Dieu. Accorde le pardon à ceux qui m'envoient à toi. » Ou encore l'histoire de Dominico Tassé, un jeune garçon de 13 ans qui, affamé, chaparda un morceau de poisson sur la table des gardes. L'un d'entre eux le vit et le frappa avec un bâton avant de l'attacher au pied du foyer pour un simulacre de procès. Les soldats matons, ivres, le condamnèrent à rendre le poisson volé pour lui accorder le pardon. Mais comme il l'avait mangé, ils lui ouvrirent le ventre avec un sabre pour en retirer l'estomac. Une petite fille de 7 ans dont le nom a été perdu et à qui l'on coupa les mains pour l'empêcher de prier avant de la précipiter dans le feu et de l'y laisser se consumer. On y raconte aussi comment une nuit un chrétien qui avait eu la présence d'esprit de refuser la relocalisation dans ce village, sans doute, chevaucha jusqu'au camp et y jeta un sac entier de médailles de la Vierge redonnant ainsi un peu d'espoir aux prisonniers. Le père Petro Tomokiti, qui fut béatifié bien plus tard, dut y enterrer sa mère à main nue après qu'elle succomba au coup des gardes. Repéré, il fut condamné au cachot, c'est-à-dire un trou dans le sol plein de boue et d'eau et sans nourriture. Le père Petit-Jean, qui put visiter le camp, écrivit une lettre horrifiée au père Russet, le recteur du grand séminaire de Paris, pour l'informer de la situation et en référer à Rome. C'est sans doute ce courrier qui accéléra les choses, puisque le nouveau souverain pontife fit pression sur les dirigeants afin qu'ils interviennent auprès du jeune empereur Meidi. Pendant ce temps, en 1870, 50 chrétiens de Setoaki furent arrachés à leur village caché sous les montagnes pour être conduits au camp de Odika. Mais, en chemin, les villageois, pêcheurs et paysans interceptèrent le convoi et lynchèrent les croyants sous les yeux complaisants des gardes impériaux. Attachés à des arbres, battus à mort, brûlés et pendus, périr. les braves gens, montèrent jusqu'au village des chrétiens, pillèrent tout ce qu'ils purent, nourritures et biens, puis mirent le feu aux huttes. Le soir, ils firent un grand banquet avec tout ce qu'ils avaient volé à ceux qui gisaient encore à quelques mètres d'eux. Le rapport des horreurs commises en cette période, pourtant censé avoir été libéré des lois antichrétiennes, serait trop long et par trop insupportable. Alors, je vais me contenter de vous donner un chiffre. C'est le nombre de gens, hommes, femmes et enfants, qui périrent dans ces camps de la mort en pleine restauration Meiji, pourtant symbole de progrès et d'ouverture. En 1902, le diplomate anglais Harry Parks passa des mois avec un groupe de policiers et de parlementaires à sillonner le pays pour vérifier qu'aucun camp ne restait ouvert et s'assurer que la liberté de culte était bien réelle. Beaucoup de ces prisons devinrent des centres de mémoire et des églises, puis des basiliques après la visite de Jean-Paul II au Japon en 1981, la première d'un pape dans ce pays. Beaucoup de pierres de torture furent gravées des noms des martyrs et placées devant les églises et les cathédrales de bois que l'on trouve en quantité dans le sud du Japon. Les 26 martyrs de 1597, déjà béatifiés par le pape Urbain VIII, le 14 septembre 1627 furent canonisés par Pie IX et devinrent saints le 8 juin 1862. C'est ce même pape qui béatifia les 205 martyrs de Nagasaki et demanda à ce qu'on les vénère le 26 février. Les deux Augustins espagnols martyrisés en 1632 et les 16 religieux massacrés à Komamoto furent béatifiés par le pape Jean-Paul II, le 23 avril 1989. Pour les 188 martyrs de Kagoshima et Nagasaki, il fallut attendre le 24 novembre 2008 pour que le pape Benoît XVI ne les béatifie, demandant la canonisation de certains d'entre eux. C'est l'ancien premier ministre Abe Shinzo qui rencontra le pape à Rome et lui demanda de venir voir la communauté chrétienne du Japon, 150 ans après la découverte des communautés de l'ombre et des horreurs qui s'y passèrent. Il s'y rendit effectivement en 2019, juste après que l'UNESCO ne classe tous ces lieux de mémoire au patrimoine mondial de l'humanité. En 1966, Endo Shusaku écrivit un roman qui se passait en 1639 et racontait l'histoire de ces premiers chrétiens du Japon et des prêtres portugais qui les évangélisaient, Shinmoku ou Silence. Il fut adapté au cinéma en 1971 par Shinoda Masahiro, rendant à la mémoire du monde ses oubliés de l'histoire. En 2016, Martin Scorsese fit un remake du film de Shinoda qui eut un succès mitigé au Japon mais un certain retentissement dans le monde. Aujourd'hui, le Japon compte environ 3 millions de chrétiens, principalement catholiques, 1,9 million, mais aussi protestants et orthodoxes sur une population totale de 126 millions. Les églises sont nombreuses dont tout le pays est souvent intégré à l'urbanisme et à la vie du quartier. La liberté de culte est entrée dans les mœurs et tous se fichent bien de qui prie son voisin. Certaines fêtes chrétiennes se mêlent au feng shinto, au bouddhiste et toute cette joyeuse salade de croyances fait du pays un endroit unique pour ce qui est de l'écuménisme bon enfant. Si vous vous promenez à Kyushu, ce que je ne cesse de vous conseiller, vous tomberez sûrement sur ces vieilles églises en bois peint, devant lesquelles une grosse pierre et un panneau de bois vous rappellent que, non loin d'ici, des centaines d'innocents ont souffert ou sont morts. Il n'y en aura pas de plus athées que moi parmi vous, mais veuillez croire que votre échine se dresse lorsque vous lisez les récits de ces croyants martyrisés et posez votre main sur la roche qui a vu tant de sang couler. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et appris quelque chose sur ce pays qui, quoi qu'il en soit, reste le mien. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être mis au courant de toutes les sorties. Et si vous le pouvez et le voulez, de soutenir la chaîne sur Tipeee, sur Utip, avec les Super Thanks, le petit cœur avec le dollar juste sous la vidéo en adhérant à l'unité Satsudin à partir d'un euro d'1,99€ par mois ou en allant faire un tour sur le site satsujin.fr. Vous y trouverez mes livres que je vous dédicace à la demande, les CD, des musiques de la chaîne, des goodies et autres choses qui vous intéresseront très certainement et me permettent de continuer l'aventure. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, sur Discord, Twitter, Instagram, Facebook...

新しい力、新しい熱意を持って、教会に対するキリストの愛と、その福音を表明し、彼らが実に粘り強く信仰を守り、伝えてくれたおかげで、日本の教会は新たに宣教師を迎えたとき、再出発することができました。